Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de présentation des séries que je ferai sur Anno. Alors Anno, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dont j'ai l'extension principale Venise, qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs, dans lequel vous incarnez un colon qui vient s'installer sur une île et qui après peut s'installer sur d'autres îles. Donc vous êtes dans un archipel géant avec au nord des îles de l'Occident et au sud des îles de l'Orient, donc qui ont des ressources différentes. Pour ça, vous développez votre ville sur les îles. Vous pouvez avoir une ville orientale et une ville occidentale. Les citoyens du nord et du sud demandent des ressources différentes. Vous les faites évoluer quand vous avez les ressources qu'il faut. Enfin, c'est un jeu de gestion avec des îles. Et je vais faire deux séries au moins dessus. Une série en multi avec Horreur. Donc les paramètres de la session. Donc on est avec Marie, Elena, il y aura Horreur. Et j'ai décidé de mettre tous les malus. Donc peste, tempête de sable, conditions climatiques, volcan. On part avec un vaisseau au début. On a un peu d'or. Rien comme objet de départ. On peut faire des sabotages et acquérir des villes. On commence en paix quand même. Ouais, sinon c'est commerce ou alliance. Voilà, on a une grande carte. C'est nécessaire pour avoir 4 joueurs. Les îles sont petites. Personnellement, je vois pas vraiment ce que ça change, petite île par rapport à grande. Elles sont un peu plus petites, mais franchement, ça change pas vraiment. On a peu de fertilité, difficulté des îles difficiles, peu de matières premières. Beaucoup de puissance neutre, donc vous verrez ce que c'est. Et les objectifs pour gagner la partie, ça va être de gagner 1 million d'or, de couler 80 navires, d'avoir 1000 habitants, c'est beaucoup, et d'avoir 5000 émissaires, c'est encore plus. Donc les émissaires, ce sont les nobles des territoires du sud, vous verrez. Alors que les habitants, c'est tout compris. Donc il faut avoir 10 000 habitants, dont 5000 émissaires. Voilà, le fait que les IA soient en mode normal, ça fait qu'elles devraient pas nous poser trop de problèmes. Mais vous allez voir que c'est quand même dur le mode normal. Et en parallèle, je vais faire une partie en solo, donc un scénario difficile. Grimpez les échelons et devenez commandant. Soumettez tous vos adversaires. Voilà. Donc le scénario général, qui est le scénario le plus dur, presque le plus dur, dans lequel il faut jouer avec deux IA en mode normal et une IA en mode difficile. Les IA en mode difficile sont vraiment très dures à affronter. Pour l'instant, j'ai encore jamais réussi à gagner contre une IA en difficile, mais ça va venir, j'ai fait que 3 parties pour l'instant. Et il faut couler des navires et se retrouver le seul survivant. Et ça, c'est un peu chaud, mais bon. On verra bien. Je ferai probablement des scénarios avec Venise, des scénarios marrants, et peut-être qu'à l'occasion je ferai Régnez sur sur le monde en Souverain. tant que souverain. Bâtissez votre propre empire en dépit des conditions difficiles et de toute résistance. Et ça, ce scénario-là, c'est finir le jeu, en quelque sorte. Posséder tous les accomplissements. Je sais même pas comment c'est possible ça. Je peux regarder les succès que j'ai déjà débloqués, mais. Ah, on peut pas les voir? Mince. Profil de joueur. Ah, si, c'est là. Regardez, j'ai 9 sur 25 médailles. 21 sur 316 exploits. Et j'ai des pièces d'or. Oh, ça permet d'acheter des nouveaux objets et des nouveaux portraits. Oh mon Dieu, je ne savais pas. Alors, il y en a certains que je peux pas acheter. Accueillez plus de 5000 dans vos. Accueillez plus de 5000 mendiants dans vos hospices au cours d'une partie. D'accord, ah, ça pourrait être marrant de faire ça. Et Empereur, par exemple, ça demande quoi? Terminez toutes les missions de la campagne au niveau difficile ainsi que toutes les quêtes secondaires. D'accord. Couler 2500 navires. Alors j'en ai déjà coulé énormément, mais alors ça, espion. Prouvez que vous êtes un maître dans l'art du sabotage, obtenez les accomplissements. Bon, il y a plein de trucs que j'avais pas vu. C'est fou. Bon, j'espère que je vais en débloquer plein. Oh, faut absolument que j'achète un blason. On va le faire avec vous, du coup.
On va acheter les haches de guerre, je pense. Hop, et donc dans mon profil de joueur, sélectionner blason, hache de guerre. Bam, bam, bam. Couleur, j'ai pris orange, ça me convient tout à fait. Titre, j'en ai que deux pour l'instant. Bon, je vais arrêter de blablater. Ah, je suis Lord Richard, on est d'accord? Ouais. Je vais arrêter de blablater et on se trouve prochainement, soit pour une série, soit pour l'autre. À vous de voir, il y aura une série plus dure en solo. Je suis pas sûr de réussir du premier coup. Donc il y aura peut-être plusieurs parties. Et je sais pas si je vous posterai les séries où j'ai les parties où j'échoue. Ou la partie en multi avec erreur. Peut-être qu'il y aura d'autres gens dans d'autres parties multi plus tard. Qui devraient être plus marrantes à regarder. Bon, à vous de voir.